Salut. Je suis Paul. Faut vraiment que vous m'aidiez. C'est qu'on a un programme chargé, alors... C'est ma vie qui est en jeu, je peux pas rester ici. Paul, c'est un ancien, quoi. C'est-à-dire qu'il est là depuis très longtemps. Il connaît bien les humains, on le fait rire. Il fume des pétards, il écoute des disques de Marvin Gaye. Voilà, c'est un personnage à la cool, Paul. On a vraiment envie de le connaître et de passer une semaine avec lui, ça c'est sûr. Pose ce téléphone à terre. Oh, fais chier. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je lui ai rien fait, il a perdu connaissance. Eh, j'ai pas mis mon phaser en mode évanouissement, hein? Oh, mais non! Bon, allez, bouge! J'y arriverai jamais tout seul, on peut ramener ce type dans ton fourgon. Non, c'est... Qu'est-ce... Vous êtes un alien. Ouais, j'en suis un pour toi. Vous allez nous examiner les boyaux? Mais pourquoi vous croyez tous que votre usine à gaz m'intéresse? Je suis pas amateur de paix, j'y gagnerai quoi à explorer vos trous de balles? Nous quoi? Excuse-moi, comment tu t'appelles? Moi? Graham Willy. Et lui là, c'est qui? Enchanté les gars, moi c'est Paul. C'est un film agréable, on a envie d'aider ce petit Paul à vivre, parce que c'est ça le challenge en fait. Hein. Voilà, vous avez ce petit personnage qui est une espèce de création alchimique qui est là à l'écran, et donc il faut l'incarner, quoi. Faut lui... Donc je me retrouve en train de faire ce que je demandais au candidat de la Nouvelle Star, incarner une chanson, nous présenter un univers, le façonner par petites touches, voilà. Eh bien... J'ai presque rien branlé à part taper la discute avec des mecs et rencarder le gouvernement. T'imagine pas son influence sur la culture populaire de ces 60 dernières années. L'agent Mulder avait raison. L'agent Mulder, c'était mon idée. Ouais. Oh, fais péter les décibels, man. J'adore ce morceau. Marvin, c'est ma cam. Eh ben alors, faites un peu la teuf, les gars. Lâchez-vous. Allez, faites comme moi, je m'éclate grave. Serre-toi de tes pincettes, Clive. Pars en impro. Mets le feu, Clive. Ouais, ça déchire. Cool, mortel. Vas-y, à fond. Wouh. Si je devais présenter le film à la place de Paul, je dirais... Ouais, ok. On a fait un road movie pendant les vacances. C'est pour ça que vous ayez envie de le regarder. Ça vous fera du bien. Pourquoi on se donne la main? Ça fait petite famille. On est deux types normaux qui se baladent tranquille en ville avec un petit cow-boy.